Inspiré par l'héritage des anciens, nous cheminons entre deux générations en quête d'un savoir inné. La montagne était une sorte d'éducation. Ça se transmettait naturellement, sans avoir à l'expliquer. Bon, alors Michel, tu peux monter ? Louis fait partie de ces figures du pyrénéisme qui est une vraie source d'inspiration, toutes générations confondues. J'ai envie de parler de cette approche authentique et romantique qu'incarne Louis. Un éloge de la lenteur à l'image de ce que je vais chercher en allant là-haut. C'est certainement l'homme que j'ai vu dans ma vie qui est capable de faire confiance aux autres et de révéler les possibilités des autres. Lui, il a marqué carrément une ligne de conduite dans ma pratique amateur. Il y a pareil, à l'heure actuelle, des jeunes qui sont capables de sentir cette façon d'appréhender la montagne avec les autres, de partager ses efforts, cette vie. C'est bon pour la santé. Si ça coincait quelque part, il passerait devant. Il passerait devant et on s'en sortirait. Avec Louis, rien ne pouvait nous arriver.